Et salut à tous, c'est Ofet, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Destiny 2 avec comment avoir l'as de pique. Donc je fais cette vidéo uniquement parce qu'on m'a demandé de le faire, hein, parce que genre il y a des gens qui m'ont dit bon ce serait bien que tu le fasses l'as de pique. Clairement il y a d'autres youtubeurs qui l'ont fait, mais si vous voulez je le fais, ça me dérange pas. En tout cas on commence tout de suite. Pour cela il faudra lancer la première mission de la campagne Redégat. Vous récupérez le fameux contrat auprès de Bonchi 44 une fois celle-ci terminée. Donc ce sera une version endommagée de l'as de pique. Pour cela, pour la réparer, il faudra tout simplement faire 5 frags d'invasion en gambit. Alors c'est 5 frags ennemis qui rentrent dans votre camp, donc qui se TP à l'intérieur de votre camp. Le combo très simple que je vous recommande vivement, c'est tout simplement arc revolver. Comme ça vous êtes sûr et certain de péter le surbouclier et presque tout le bouclier avec l'arc, et une fois que ceci fait, vous swappez directement sur le revolver et vous éliminez vos adversaires. Il n'y a rien de très compliqué, franchement c'est largement faisable. Personnellement je l'ai fait en une game, donc ça a été très facile. Bon par contre je vous invite à clairement peut-être saboter un petit peu la game de Gambit pour pouvoir tout simplement faire durer la game. Si vous voyez par exemple que la première manche vous la gagnez très facilement avec vos alliés ou vos adversaires la gagnent très rapidement, ben vous essayez de saboter du genre ben vous forcez sur la seconde manche ou vous empêchez votre victoire sur la seconde manche pour faire une troisième manche si vous voulez vraiment terminer cet objectif en une seule partie de Gambit. Vraiment je vous invite à saboter si vous pouvez le faire. Bien évidemment si vous n'êtes pas obligé, si vous n'êtes pas obligé de le faire, ne le faites pas. Si vous avez le temps etc, et que vous voulez le faire sur plusieurs games tranquillement etc, c'est tout à fait possible. Une fois que vous avez fait les 5 frags d'invasion, il faudra tout simplement retourner en assaut. 250 ennemis à tuer avec un revolver, hein, je tiens à préciser, hein. Il faudra le faire ça dans différents assauts, hein. Vous n'êtes pas obligé de le faire en un seul et unique assaut. Cependant si vous êtes avec des collègues, dites leur voilà j'ai besoin de faire 250 kills en assaut, donc laissez moi les kills etc tranquillement, comme ça je le fais avec mon revolver, parce que c'est uniquement vos kills qui comptent et pas ceux de vos alliés. Petite information, si vous êtes seul, vous pouvez faire le fameux glitch du protocole, c'est-à-dire changer la date de votre console pour pouvoir tomber sur un serveur totalement outdated et seul. Comme ça, vous lancez vos protocoles entre guillemets, mais là, sauf que maintenant, c'est des assauts, parce que maintenant, on peut lancer les assauts de manière totalement solo. Hein, vous lancez vos assauts tranquille, etc. Et une fois ceci fait, il faudra tout simplement faire 25 frags de précision à l'épreuve et toujours avec un revolver. Donc, bien prendre son temps tranquille. Bon, pas besoin de stresser. Si vous voulez, les kills se feront au fur et à mesure que vous jouerez. Donc, pas de réelle complexité sur cette chose. Et ensuite, une fois que ceci fait, vous aurez 4 objectifs de cachette de Cade sur différentes planètes. Il y en a une qui se trouve sur Io. Bien évidemment, j'essaye de vous montrer les différents déplacements, etc. pour les récupérer. Hein. C'est pas très compliqué. Hein. Vous mettez dans les points de spawn, etc. Vous êtes très rapidement aux endroits. Ça prend, genre, je sais pas, peut-être une minute pour chaque truc. Le temps de chargement est souvent plus lent. Ensuite, il faudra trouver la cachette sur Nezos, rien de très compliqué non plus. Par la suite, il faudra trouver la cachette sur la côte enchevêtrée.
Et une fois ceci fait, il faudra trouver la cachette dans la ZME. Et une fois que tout ceci est débloqué, ceci vous débloquera une mission exclusive de Cade qui s'appellera la mission à tout gagnant. Et en gros, si vous voulez, c'est clairement le testament de Cade où il faudra trouver les différentes caches. Donc il y a 10 coffres à trouver. Bon, c'est très simple, hein. Vous verrez toujours présence de cachettes plus ou moins à proximité si vous n'y arrivez pas. Et en tout cas, genre, vraiment prenez votre temps de faire cette mission, écoutez chacun des coffres, etc. un par un, parce que c'est vraiment quelque chose de très émouvant, très poignant, surtout pour Cade. Genre, il y a un minimum de respect pour lui, et bien évidemment je vous mets la quête à la fin de la vidéo si vous voulez la voir. Sur ce, c'est ici qu'on va cesser. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur Destiny 2 et notamment les petites updates, etc., qui reviennent très très vite. Allez, à plus. La cachette secrète de Cade. Le message dit que c'est à cet endroit que Cade l'a dissimulé. Nous devons trouver les pièces nécessaires à la réparation d'As de Pique. Nous approchons. Celui-là, c'est pour Eris Morn. Si vous écoutez ce message, bravo, vous m'avez tué. Vous devez être un dieu de la ruche qui m'a donné à manger à vos vers. Ça, ou vous en avez eu marre de moi. Si par hasard vous écoutez ceci sans m'avoir tué vous-même, désolé d'avoir volé votre vaisseau. Et oh, désolé pour tout ce qui a pu se passer entre nous. Mais pour être clair, si vous m'avez tué, je ne m'excuse de rien. Et je considère que toutes mes actions sont 100% justifiées. Bref, n'hésitez pas à poser votre caillou sur ma carte. J'en ai plus besoin.
Celui-là, c'est pour ce lâche sans bras, Danix le balafré. Si vous entendez ceci, c'est que vous m'avez tué. Mais je parie que j'ai emporté une bonne partie de votre vilaine tête avec moi. Je suppose, Kandal Brask, ne vous suffisait pas, hein? Il vous fallait un autre chasseur de l'avant-garde pour votre triste collection. J'ai des tas de regrets, bien sûr, mais ne pas vous avoir abattu fait partie de mon top 3. Ce ne sera pas long avant qu'un meilleur gardien que moi vous remette à votre place. J'aurais juste aimé être là pour voir ça. On a raté quelques cachettes. Faisons demi-tour. C'est pour le type qui se fait appeler le vagabond. Vous m'aviez prévenu qu'être à vos côtés ferait de moi une cible. J'imagine que je suis en bonne compagnie, hein? On ne s'amuse jamais vraiment s'il n'y a pas un minimum de risque. C'est l'idée derrière l'opération que vous montez, pas vrai? C'était mon idée, en fait, que j'ai eue il y a des milliers d'années, à l'époque où vous étiez toujours beau gosse. Donc, pas besoin de me remercier. Pour faire fonctionner ce machin, il va falloir quitter votre cachette. Et vous savez qui s'en prendra à vous? J'aurais tellement aimé être dans le coin pour voir cette confrontation. Personnellement, j'avais misé sur le type avec le pistolet d'or. Mais, qu'est-ce que j'en sais? Je suis mort. Petra, si vous entendez ceci, vous m'avez tué. Peut-être que les Sophs, dans leur sagesse mystérieuse, ont décidé qu'ils en avaient assez de moi. Si la reine vous l'a ordonné, alors je comprends. Vous avez vraiment la chevalerie dans le sang. Et si c'est Uldren, alors je suis furieux contre vous. Ça me donne mal à la tête rien que de penser à ce banc. Mais je parie que si je suis mort, c'est à cause de l'un de vos fameux dégâts collatéraux. Parce que vous êtes vraiment une âme charitable. Sérieusement, c'est très agaçant. Les bonnes actions ne restent jamais impunies quand vous êtes dans le coin. C'est juste que... vous avez un sacré rayon d'explosion, Petra. Bon, au moins, c'était marrant. Et dites au paladin Oran... si le soleil de Nessos échappe au cycle de la nébuleuse, évacuez les ouvriers après l'aube sous solstice. C'est bien noté, Petra? Celui-là, c'est pour les esprits à l'origine de la crypte de la pierre. Vous pensez pouvoir me détruire parce que vous m'avez créé? Oh, je comprends. Si j'étais vous, je ne voudrais pas non plus qu'on sache ce que j'ai fait. Vous espérez sûrement que je n'ai parlé à personne de la crypte. C'était quoi déjà? Ah oui. Lent soupir. Parce que si je le faisais, ce serait mauvais pour vous. Je suis peut-être mort, mais vous avez pas pu vous entendre parler de moi.
celui-là, c'est pour Soraya Hawthorne. Vous savez, quand j'ai dit à ma spectre que j'en ferai un pour vous, elle a rigolé. Je ne devrais pas vous dire ça. C'était pour vous faire vous sentir mal. Pour ma défense, si vous entendez ceci, c'est que vous m'avez tué. Bon, si cela avait été à la loyale, mano à mano, j'aurais gagné, aucun doute là-dessus. Mais je vous vois bien élaborer un piège alambiqué. Certains appelleraient ça de la paranoïa. Moi, je dis que c'est ça, être un chasseur. Donc, voilà votre prochaine leçon de chasseur. Prenez soin de votre prochain. En parlant de ça, félicitations. Vous êtes maintenant l'heureux propriétaire du colonel. Elle ne mange que du muesli aux graines de sésame et de l'eau de source purifiée avec un brin de persil. Soyez sages toutes les deux. Celui-là, c'est pour le chasseur qui me tuera. Au pif, je dirais... Marcus Wren. Vous savez que vous allez récupérer mes affaires. Toutes mes affaires, y compris les trucs de l'avant-garde des chasseurs. Oh ouais. Félicitations, imbécile. C'est ce qu'on appelle un gage de l'avant-garde. Ça craint, hein? Ok, préparez-vous pour quelques conseils. Une, connaissez vos troupes. Par exemple, mon éclaireuse sur Nessos, Gantisri. Je l'appelle régulièrement. Sinon, elle a tendance à penser qu'à la nuit et à oublier la ronde. Deux, vos armes doivent rester affûtées. Quand vous surveillez les arrières de tout le monde, il n'y a personne pour surveiller les vôtres. Et le 3, songez dès maintenant à ce que vous voulez faire pour le gage de votre successeur à l'avant-garde. Parce que croyez-moi, ce boulot aura votre peau. C'est juste que j'imagine la tête que vous devez faire en ce moment. Bon, ça va là. Donc, je suis mort. Vous m'avez tué. Mes affaires vous appartiennent. Fini les défaites aux échecs et les victoires au poker. Sans rire, si vous m'avez tué pour le bien de la cité ou je ne sais quoi, je comprendrai. Vraiment, je vous en veux pas. Promis. Vous pouvez arrêter cet enregistrement et retourner à votre vie. Maintenant, si vous avez vraiment une espèce de sentiment de culpabilité, ce serait dur. Parce que dans ce cas, vous m'entendriez vous hurler aux oreilles jusqu'à votre mort. Vous ne pourriez même pas vous en défaire. Salut, Ikora. Tu sais que j'en ai préparé des tas, hein? Je te l'ai sans doute dit, j'ai toujours le dernier mot. Et je vais être prêt pour toutes les situations. Mais bon, là, c'est le plus facile à faire. Puisque je tiens à être honnête, je n'ai jamais trop réussi à savoir si tu m'aimes bien. Mais, si tu me détestes, ce n'est pas réciproque. En fait, pour être franc, ça ne m'ennuie pas tant que ça que tu m'aies tué. Je pense que si on se bagarrait, déjà, personne ne pourrait m'en vouloir d'avoir perdu. Et je sais que tu aurais raison. Alors... Merci, j'imagine. Tu as été une bonne amie. Meilleure qu'un type comme moi pouvait l'espérer, en tout cas. Alors, merci, Ikora. Merci pour tout.
c'est pour le type balèze et silencieux. Vous, quoi. Félicitations. Non, vraiment. J'ai toujours su que vous me surpasseriez un jour. Et si ça veut dire que vous deviez me zigouiller, bah, vous m'avez sauvé la vie sur Nessos. Alors je vous dois bien ça. Prenez soin de l'as de pique, ok? Je ne parle pas que de la maintenance. Ça, Banshee sait faire. Prenez-en vraiment soin. Utilisez-le à bon escient. Oh, et si vous trouvez des papiers de mes anciens déploiements, brûlez-les. Pas envie que quelqu'un farfouille dans la vie des Kay de version 0 à 5. Alors, faites disparaître tout ça, d'accord? Toutes les histoires ont une fin. Cette fois, c'est mon tour. Pièces sont en place. Maintenant, l'as de pique est comme neuf. Tenez, et quand vous le portez, n'oubliez pas... N'oubliez pas que... Une petite minute. Et vous avez pas croisé Kate récemment? À plus. Oh, qu'est-ce que j'étais en train de faire, hein?